Bonjour à toutes et tous, nous voici au col du Donon. Le Donon est un sommet majeur dans l'ensemble du massif vosgien. Il est important tant d'un point de vue historique et archéologique. Ce fut un sommet fréquenté à l'époque romaine et celtique, mais aussi aux époques antérieures. Nous parlons d'une occupation des lieux datant du néolithique. Ainsi, la fourchette de datation est comprise entre 5000 et 7000 ans. Le Donon est situé à la frontière de l'Alsace et la Lorraine. Il fait la jonction de 4 départements, le Bas-Rhin, la Meurthe-et-Moselle, les Vosges et la Moselle. Ici, je me trouve sur le sentier qui nous conduira jusqu'au plateau sommital où nous verrons plusieurs vestiges anciens et un mur celtique. Nous profiterons aussi d'un magnifique paysage, un vrai panorama à 360 degrés. Alors allons-y. Après le chemin des Sarrasins et avant le temple sommital, nous nous trouvons ici face à 8 stèles votives du dieu Mercure. Le dieu Mercure qui fut un dieu important dans la région à l'époque romaine. Le dieu Mercure est un dieu aux pieds ailés, le dieu des messagers et le dieu des voyageurs et du commerce. Il est assimilé à Teutathès chez les Gaulois, mais aussi à Djéhoutitoth chez les Égyptiens. Il est aussi accompagné du dieu Vosegus, qui est un dieu local et primitif, qui a donné son nom à la chaîne de montagnes vosgienne. Les stèles que nous avons ici ne sont que des copies. Les versions d'origine se trouvent au musée d'Épinal. J'ajoute aussi que nous pouvons trouver au pied de la montée le dieu Anguipède, sous la forme d'un Jupiter cavalier du haut de sa colonne. Celle-ci fut reconstituée par Fanny Lacour, et nous la trouvâmes en ombre sur le sommet, surtout à proximité des temples romains. Aujourd'hui, de ces temples, il n'en reste que quelques blocs. Alors, pourquoi le Donon ? Ici, nous souhaitons mettre plus en évidence encore l'ampleur de la tâche accomplie par nos anciens bâtisseurs. Nous allons donc sortir de notre zone de prospection, qu'est le Mont Saint-Odile, pour venir jusqu'ici et revenir à nouveau sur Altitona. Nous n'allons pas vous cacher longtemps que cet endroit est en relation avec le Mont Saint-Odile et d'autres lieux pittoresques et sacrés que nous verrons à l'avenir. En absence de liens évidents, bien entendu, nous ne serons pas ici. Tout est lié. Mais de quelle manière ? Ces lieux suivent une implantation géométrique précise et particulière. C'est spectaculaire. Je peux vous l'assurer. Mesdames, messieurs, n'est-il pas logique de se positionner avant de s'orienter ? Position et orientation ? Suivre le point et l'angle pour tracer et suivre la voie, le chemin. Jésus n'a-t-il pas dit dans Jean chapitre 14 qu'il est le chemin, la vérité et la vie ? N'a-t-il pas dit non plus qu'il est la lumière de ce monde ? Et puis, n'a-t-il pas dit aussi qu'on devait laisser venir à lui les enfants, puisque ceux qui leur ressemblent accueilleront le royaume des cieux ? Je vous le dis, soyez à l'image des enfants. Soyez dans l'émerveillement, soyez dans la curiosité, ressentez les choses,
partager, persévérer. Toutes ces choses-là sont essentielles pour poursuivre dans cette enquête. Parlons un peu de la construction du temple et pourquoi porte-t-il le nom de musée. Ce temple fut construit sur le plateau sommital en 1869. Il a été financé via une souscription lancée par le docteur Charles Jules-Joseph Bédal de Schirmeck. Un amoureux des sciences naturelles et historiques et passionné par les travaux de Schöpflin. Le temple de 12 colonnes fut réalisé par l'architecte Louis-Michel Bolz. Un siècle durant, le bâtiment servit de musée pour les objets trouvés par les archéologues. Ces objets se trouvèrent derrière les grilles entourant le temple. En 1958, les trouvailles archéologiques ont été transférées au musée d'Épinal et au musée archéologique de Strasbourg. Nous allons aborder le problème de la mesure, et notamment celle du pied du roi. À l'époque, le système de mesure parisien reposa sur deux unités de mesure, l'aune et la toise. Au XVIIe siècle, la toise du Châtelet ou la toise de Paris valait 6 pieds de roi, 72 pouces ou 864 lignes. Or, la nouvelle mesure après réécriture remplaçant l'ancienne fut plus courte de 5 lignes. En lisant la métrologie ou le traité des mesures d'Alexis Jean-Pierre Poqueton, publié en 1780, nous apprenons qu'à l'époque, les étalons des poids et mesures de Paris ne sont pas tous en dépôt au même endroit, ni confiés à la garde des mêmes personnes. La toise qui est l'étalon des mesures linéaires ou longitudinaires est conservée en fer au Grand Châtelet de Paris et dans le cabinet de l'Académie des sciences au Vieux-Louvre. L'aune de Paris servit plutôt à la mesure du textile à la garde des marchands merciers. Restons sur la toise, puisque cette dernière porte de manière simple la mesure du pied du roi. Nous lisons que la toise fut conservée au Grand Châtelet durant des centaines d'années. Guilliermoz évoque une existence attestée de la toise au Châtelet de Paris depuis le XIVe siècle. En reprenant Poqueton, il affirme que l'ancienne toise des architectes et des maçons fut réformée en 1668. En effet, Colbert ordonna la réécriture de la toise, mais Poqueton affirme aussi que l'on ignore les circonstances de cette réforme. Évidemment, cette réforme n'a pas fait que des heureux. Les maîtres maçons et les charpentiers de la ville de Paris n'étant pas en accord avec les officiers du roi. Et d'ailleurs, certaines conversions en pied de roi en province continuèrent avec l'ancienne mesure. Poqueton précise que le nouvel étalon de la toise a été improprement conservé sous la forme d'une barre de fer émoussée et exposée à tout type d'agression. La conservation de la nouvelle mesure laissait fortement à désirer, et nous nous posons des questions sur le retrait douteux de l'ancienne mesure. Le problème, c'est que ce genre de réforme nous coupère davantage de la tradition ancienne. Nous allons maintenant vous exposer les liens entre cette mesure ancienne et l'œuvre de nos ancêtres. Et vous allez comprendre son importance. Alors nous sommes devant le temple musée du col du Donon, juste derrière moi. Alors, rappelez-vous de la fameuse mesure du pied du roi que nous avons présentée lors de la version courte de notre enquête et de l'intervention de M. Philippe Gounan. C'est ça, en fait, le pied du roi, comme la coudée royale qui servait à faire les pyramides, par exemple la coudée égyptienne. Elle est en relation avec le pied du roi. En effet, le lien existe entre les deux mesures de la coudée royale égyptienne et de l'ancien pied du roi, mais pas que. Alors, il s'exprime de manière mathématique et géométrique. Il faut se rappeler que c'est un mode de langage de la part de nos anciens.
il est essentiel de vous présenter ceci juste devant ce temple-musée. Croyez-moi, ce n'est pas un hasard que nous sommes ici pour vous présenter ceci. Alors voici un cercle. De ce cercle, nous allons tracer son diamètre, que voici. Ce diamètre prend la valeur de l'ancien pied du roi. Nous calculons donc sa surface, donnant à peu près une valeur intermédiaire, donc 8,37 ou 837,7, voilà, peu importe. Donc c'est cette valeur intermédiaire qui est importante. Et tenez-vous bien, ce résultat est une valeur donc intermédiaire entre la coudée royale égyptienne et le demi-côté de la grande pyramide de Gizeh. Et attention, nous obtenons ces valeurs grâce à la constante pi, tout simplement. Mais cela voudrait dire aussi que le pied du roi serait une mesure faisant le lien entre cette constante, la coudée royale égyptienne, la pyramide de Gizeh, la vitesse de la lumière, si nous prenons en compte ce qui a été dit précédemment dans notre enquête, mais aussi le maître, qui lui exprimait partout et notamment en ce lieu. Avant de continuer, nous souhaitons vous montrer cette plaque apposée à la table sommitale. Celle-ci précise que jadis, en lieu et place du temple-musée, se trouva une pyramide géodésique. Cette dernière permettait notamment de vérifier la mesure de la perpendiculaire à la méridienne de l'Observatoire de Paris. Cette méridienne a été conçue par l'astronome Giovanni Domenico Cassini, ou plus connu sous le nom de Jean-Dominique Cassini. Ce système d'observation se situe dans une salle de l'Observatoire de Paris. Voyons ensemble qu'est-ce qu'indique cette méridienne. Elle est composée de 32 règles de laiton parcourues par l'image du Soleil. Ces règles sont entourées par les constellations du zodiaque, gravées sur du marbre blanc. C'est une conception gnomonique remarquable, utilisant le principe de la caméra obscura existant depuis l'Antiquité. Avec ce système, nous y faisons des mesures de l'obliquité de la Terre, c'est-à-dire l'inclinaison entre l'axe de rotation de la Terre et le plan orbital, c'est-à-dire l'écliptique. Et nous voyons surtout le parcours du Soleil sur l'écliptique et l'indication du midi solaire. Ces dernières informations sont très intéressantes. Pourquoi ? C'est exactement ces données que nous prendrons en considération pour réaliser l'observation qui suit. Comme nous l'avons affirmé dans la version courte de notre enquête, la géométrie sacrée du mur païen, avec le mouvement circulaire de l'axe de rotation de la Terre, les étoiles parcourent le ciel de 1 degré en 72 ans. Le tour complet est réalisé en 26 000 ans. C'est la précession des équinoxes, ou la grande année de Platon. Nous avons lancé un logiciel d'astronomie afin de retrouver la position de conjonction entre le Soleil et Régulus à une date précise. La même conjonction et même date pointée par le mur païen du mont Saint-Odile. Nous nous dirigeons vers la grande pyramide de Gizeh, à 3000 km du dôme. Puis nous vérifions la course du Soleil dans l'espace et le temps. Nous voyons cette progression du Soleil dans le ciel. Nous nous arrêtons au moment où le Soleil est au point culminant, le midi solaire. Lorsque nous analysons les données, nous voyons bel et bien qu'à cette période, l'élévation solaire se trouve à 83 degrés 47 minutes et 40 secondes. Or, si nous convertissons cette valeur en décimale, nous obtenons 83 degrés 79. C'est-à-dire à moins de 2 centièmes de degré de la valeur médiane de la surface circulaire, ayant pour diamètre le pied du roi, que nous avons calculé précédemment. Ceci est vraiment surprenant. Les anciens avaient-ils cette capacité de déterminer avec précision l'élévation solaire? Selon notre film de la géométrie sacrée du mur païen, la réponse est oui.
étant donné que le Ménestein du mur païen pointe cette même conjonction Soleil-Régulus. L'originalité de cette mesure, c'est qu'elle inclut une phase astronomique importante, donnant à coup sûr d'autres informations essentielles de cette science ancestrale. Vous avez pu voir avec notre démonstration que l'ancien pied de roi nous permet de remonter, grâce à la voûte céleste, jusqu'à la période de l'ancienne Égypte il y a 5000 ans. Il est désolant de constater que cette mesure ancestrale aurait pu tomber dans une sorte d'amnésie collective. Mais fort heureusement, la mesure du pied du roi a été savamment inscrite dans la roche et conservée depuis le fond des âges. La mesure est ravivée par notre mère nature. Nous allons maintenant vous révéler comment le Donon est lié à la mesure du pied du roi. Nous nous dirigeons vers le nord-est, plus exactement au rocher de Dabo. Ce magnifique rocher de grès rose qui se dresse fièrement au cœur du massif Vosgien, un site d'exception idéalement situé avec une vue imprenable sur la forêt vosgienne. Le rocher de Dabo fait aussi partie de cette implantation géométrique issue du fond des âges et en lien avec le Donon. Cet endroit occupera une place importante dans la version longue de notre enquête. Ces anciens qu'ont-ils réalisé ici? Le rocher de Dabo, dit le rocher de Saint-Léon, se trouve sur un cercle de plus de 100 km de périmètre. Un cercle ayant pour centre le Donon. La distance séparant le centre du temple du Donon et le centre de la chapelle du rocher de Dabo est de 16,33 km. Vous constatez ici que la mesure est vraiment précise. Nous avons donc le demi-pied du roi à l'unité près. Alors me voici juste en face du temple du Donon. Je vais vous laisser devant cette belle vue qui nous est offerte, ces images aussi vertigineuses que notre enquête dans laquelle nous sommes engagés. Alors je vous souhaite le meilleur pour la suite. Au revoir.